Pentru cei mai mulți dintre noi, hrana este o chestiune de supraviețuire. Mâncăm pentru a trăi, fără să ne gândim prea mult la componentele meniului nostru. În lume există însă și artiști ai bucătăriei. Un asemenea personaj, numit chef cuisinier, este autorul unor meniuri sofisticate, făcute în restaurante extrem de scumpe. Dar nu numai atât. Asemenea unui mare creator de modă, el poate genera un trend în materie de gastronomie. Un astfel de șef este și David Conton. Primul contact cu bucătăria l-a avut la vârsta de 7 ani. Pe atunci, unchiul său era proprietarul restaurantului La Ricot din Lyon. La 14 ani a fost admis la o școală hotelieră pe care a absolvit-o 3 ani mai târziu cu o diplomă de gastronomie clasică. Au urmat apoi colaborări cu mai multe restaurante de top de pe toate continentele. Pentru David Conton, bucătăria de lux a constituit un pașaport cu ajutorul căruia a călătorit în întreaga lume. Cuisiner, moi, c'est ma passion. Hein. J'ai été baigné dedans quand j'avais 7 ans, puis après j'ai continué. J'en ai 45 maintenant, hein. Donc voilà, ça fait 38 ans que je suis baigné dans la cuisine. Moi, hein. Et donc c'est un métier aussi qui est formidable parce que bon, il faut beaucoup de sacrifices, mais bon aussi il donne beaucoup parce que ça permet de voyager à travers le monde. Aussi donc on est comme des ambassadeurs, on va dire. Hein. On n'a pas de frontières nous en tant que cuisinier. On a la chance de pouvoir travailler dans le monde entier. Et ça c'est ce que ça fait une ouverture d'esprit. Ce que je conseille aussi aux cuisiniers roumains, c'est c'est de suivre cette carrière et aussi d'ouvrir leur esprit. Moi, je pense qu'on va beaucoup plus loin que la culture, parce que moi, je pense que la cuisine, c'est quelque chose d'ordre public, d'intérêt public, on va dire. Les gens qui consomment bien, qui mangent bien, n'ont pas besoin de se faire soigner. Satul Conțești se află în județul Dâmbovița, la 33 de kilometri de Târgoviște. Aici a ales David Conton să se stabilească și să-și construiască o fermă. Natura înconjurătoare este generoasă, spune el. Distanța de București este una acceptabilă, iar viața la țară are desigur farmecul ei. Quand je suis venu la première fois, je suis tombé tout de suite intéressé par cette région. Et donc ça m'a plu énormément. Puis bon, comme vous voyez, autour on est entouré de champs, de blé. Donc c'est une belle région et donc c'est la proximité de Bucarest aussi qui m'a intéressé. Donc 40 km, ça permet d'y venir très fréquemment, même durant la semaine. Voilà, puis bon, c'est situé donc Târgoviște et Bucarest, donc voilà, c'est entre les deux, c'est très bien. Nu numai natura generoasă l-a sedus pe David Conton la Conțești, ci și faptul că își poate oferi supremul lux de a mânca meniuri bazate doar pe produse naturale. Donc je me sens très bien en Roumanie et j'ai posé mes bagages en Roumanie et je pense que ce pays a vraiment une terre et un terroir qui a vraiment été béni par les dieux. Bon maintenant aussi il faut du travail, il faut de la patience et ce qu'on les arbres, tout ce qu'on met en place, il faut des années de patience. Ce qu'on fait aujourd'hui en fait c'est pour notre génération, pour nos petits-enfants et nos petits-enfants. Donc voilà c'est ça aussi, c'est la terre. Je pense on est locataire, on n'en est pas propriétaire. Donc voilà, il faut penser aux gens demain. Et je pense qu'en Roumanie, à l'heure actuelle, c'est quand les gens sont un peu un côté égoïste, ils pensent pas à ce qui va se passer demain. Donc voilà, ce qu'il faut aussi, c'est laisser. On n'est que de passage et donc laisser aussi penser bien à nos petits-enfants, nos descendants futurs. Donc voilà, la récolte du jour. Hein. Quelques œufs, hein, bien sûr. Donc je vais en ouvrir un aussi, on va faire la différence. Hein. Donc. Voilà. Donc forcément ils sont pas calibrés là. Mais voilà, là on a un œuf là qui est extra jaune. Hein, donc on voit qu'elle est nourrie avec du calcaire, du grain. Hein, l'œuf il est pas blanc. Hein. Et puis le jaune, il prend vraiment toute la forme, il prend toute la. Donc le jaune prend vraiment toute la taille de l'œuf. Hein. Ça là c'est bien. Ça c'est excellent. Hein. Ça c'est un signe donc de reconnaissance qu'on a un œuf qui est super. Hein. Voilà, moi,
L'association tomates et basilic, c'est vraiment la base de la cuisine. Hein. Donc voilà, et quand je vous parlais de la tomate de Roumanie, donc il n'y a pas photo, quand je dis qu'elle est excellente, elle est gorgée, elle est pleine de saveur. Et donc avec le complément du basilic, ah voilà, ça c'est du luxe. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, à Bucarest, aucun restaurant, mais ici j'ai la chance, je vais cueillir une tomate à midi et demi je vais la manger. Donc ça, c'est un luxe, même les 3 étoiles Michelin n'ont pas ce luxe. Donc voilà, ben non. Et donc aussi, moi, mon idée, ça serait de développer un concept autour de ça. Donc, un microclimat restaurant qui est juste attenant au jardin. Donc, on cueille les légumes à 10h, à 1h, on les mange. Et croyez-moi, ça, c'est de la cuisine qui est pleine de saveurs. C'est un rêve pour un cuisinier, ça. David Contan crede într-o democratizare a bucătăriei. Adevăratul lux, susține el, este acela când clientul intră în local și mănâncă un aliment cules cu câteva ore în urmă din grădina proprie a restaurantului. Aujourd'hui, je pense que le vrai plaisir c'est aussi de démocratiser la restauration, mais je pense que aujourd'hui tout le monde doit manger. Et moi ce qui me plairait c'est vraiment de créer le restaurant où qui est un lieu de passage où tout le monde ait le temps de manger et de bien manger surtout. Et donc savoir ce qu'on mange. Donc est-ce que je suis le seul à croire qu'en Roumanie, il y a des produits miraculeux? Donc là, on est vraiment sur des pêches exceptionnelles. Là. Donc c'est vraiment la preuve. Hein. Donc des fruits gorgés de soleil, gorgés d'eau. Donc voilà, à la sortie, c'est des fruits qui sont savoureux, c'est exceptionnel. Francezul este uimit de puținul respect pe care românii îl acordă naturii în general și mâncatului natural în special. Când ai la îndemână tot ce natura poate oferi mai bun, este aproape de neînțeles de ce majoritatea oamenilor consumă doar produse de la supermarket, neglijând în totalitate alimentele produse în micile gospodării. Une question, on va dire, d'éducation. Tout le monde a voulu, je pense, tout le monde a voulu s'enrichir un peu très vite avec en vendant des terres et faire pousser des blocs de béton. Au lieu de préserver son littoral, on va dire. Aussi, ce qui me surprend, c'est qu'autour de Bucarest, on va dire, côté Poale Asnagov, il y a des terrains vierges, il n'y a rien du tout de planté dessus. Il n'y a rien. Pourquoi? Et quand je survole, par exemple, Timișoara, par avion, où j'y suis allé dernièrement, tous les terrains autour de Timișoara sont exploités. Et pourquoi? Donc, autour de Bucarest, est-ce que les gens sont feignants? Ça, c'est ma question. Cette terre, ce pays a été béni par les dieux, on trouve tout ce qu'on veut. Vous avez des forêts, vous avez des truffes, des gibiers, vous avez des rivières, des lacs, il y a tout en Roumanie. Il y a tout pour faire quelque chose d'exceptionnel. Le problème maintenant, voilà, c'est mal. L'image de la Roumanie est très mal exploitée à travers le monde. Moi, j'avais une image d'Épinal avant de venir en Roumanie, moi pour être sincère, et j'ai été surpris de trouver en Roumanie une autre image que les médias me vendaient. Et donc, moi, aussi, ce que je peux dire à tous les gens qui sont étrangers, moi, je leur donne vraiment une autre image à travers la Roumanie, à travers mon blog, à travers tout ça. La Roumanie n'est pas celle qu'on pense aussi. La Roumanie des clichés, la Roumanie la vraie, non. Voilà, la Roumanie aussi, c'est la campagne, c'est des endroits où on peut vivre comme autrefois. Je pense avec des vraies valeurs, enfin, les valeurs qui sont les miennes en tous les cas. Donc, le respect de la terre, respect de l'environnement, puis manger sereinement. Donc la Roumanie a vraiment une carte à jouer pour le futur. Mais bon, encore une fois, c'est une question de volonté politique. Când gătește David Contan, se simte inspirat. Crede în unicitatea unui fel de mâncare și de aceea refuză să gătească meniuri standard consumate de oameni grăbiți în restaurantele banale din întreaga lume. Este asemenea unui pictor atent la valorile vizuale ale meniurilor pe care le pregătește și crede că o masă bună este o bucurie a tuturor simțurilor.
Moi, je pense que sincèrement, oui, un chef est un peu un peintre parce que bon, on compose sur une palette, on a aussi nos palettes de couleurs. Donc, à savoir, faut faire des contrastes, à sortir des couleurs vivantes qui flashent, aussi avec des couleurs ternes. Donc, refaire sortir les qualités d'une assiette, c'est aussi transmettre la couleur. Donc, la première chose que le client va recevoir, c'est forcément le visuel. Après, il va sentir donc l'odorat et après simplement le goût en trois. Donc la première chose, si on veut faire plaisir à un client, c'est créer une assiette pour lui et lui donner envie de manger. David Contan este fascinat de România rurală. Își imaginează uneori că ar parcurge într-o căruță cu coviltiri zile în șir, atent la natura înconjurătoare și la obiceiurile oamenilor pe care îi întâlnește. Vrea în acest scop să dezvolte un proiect de turism rural în care turiștii străini să descopere România parcurgând-o în rulote trase de cai. Moi, ce qui me plairait, en fait, c'est créer un concept autour de ce monde rural, donc avec des roulottes, en fait, des roulottes en bois, comme on va dire, des roulottes bohème pour moi, c'est qui n'est pas du tout péjoratif, hein. C'est une façon de vivre aussi, l'interprétation du voyage. Mais j'ai énormément voyagé à travers le monde, et à travers la Roumanie, j'ai trouvé quelque chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de décor de cinéma. Departe de a fi un hobby excentric, mâncatul natural se duce din ce în ce mai mulți români. George Butunoiu este unul dintre ei. Lucrează în domeniul resurselor umane, dar a hotărât că în timpul liber să mai lanseze o afacere, cel puțin riscantă la prima vedere. Restaurantul său familial oferă meniuri naturale oricui este pasionat de mâncarea sănătoasă produsă în casă, pentru că localul este de fapt casa lui, unde te invită la masă. Am făcut un restaurant care să fie exact cum ar plăcea mie să fie la un restaurant în care merg să mănânc în mod obișnuit. Deci nu lucruri ieșite din comun, pentru că pentru lucruri ieșite din comun te duci la restaurante, ieșite din comun la restaurante foarte bune, cu totul speciale, dar și cu prețuri pe măsură. Însă un restaurant în care să mănânci zi de zi și în care să mănânci normal, așa cum ai vrea să mănânci în fiecare zi, sunt puține în București. Moi, je salue des initiatives dans ce sens-là, justement, de créer des petits et des micro-restaurants où tous les jours on va changer le menu, on travaille avec des produits de marché, donc qui est un contre-pied un peu à ce qui existe sur le marché local. Donc il n'y a pas de menu préétabli à l'avance, on travaille sur des menus en fonction des saisons, en fonction des arrivages, et là, donc les plats vont changer tous les jours. Localul acesta nu este singurul spațiu în care David Contan lucrează cu plăcere. Iubitor de natură, dar și de lux, el își oferă bucuria creației într-un loc unde natura este extrem de generoasă, iar designul locului sofisticat. Alors donc moi c'est ici, cette place, voilà, on est venu ici parce que j'adore cette place, voilà, pour moi c'est un bon exemple entre la nature et le savoir-faire de ce qu'on peut faire raisonnément, hein, voilà. Et donc moi pour moi il n'y a pas de pollution visuelle, j'adore cet endroit. Et aussi donc voilà, je travaille ici donc deux fois par semaine, donc je fais une food promotion deux fois par semaine. Et on a donc fait un set de tartare, voilà, donc de viande, poisson et poisson encore. Mais bon, l'idée c'est de les servir glacés et bien servis bien frais dans la glace. Donc voilà, avec la transparence du plastique et donc avec aussi le rosé de Provence. Iar după ce l-am cunoscut pe David, ajungem să ne întrebăm. De ce un francez stabilit aici știe să folosească tot ceea ce natura generoasă poate oferi omului, în timp ce majoritatea românilor nu pot face asta? De ce consumăm în continuare produse toxice când grădinile țăranilor au tot ce ne trebuie pentru un meniu sănătos? Poate și pentru că vremurile tulburi pe care le trăim ne-au dezvățat de bucuria lucrurilor simple și de prieteniile cu oameni firești, capabili să se bucure de o natură generoasă. Dar... l-am avut vreodată.